Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information Vision Panafrique. La chasse à l'homme continue à Conakry pour tenter de retrouver le colonel Claude Bivy, un des accusés dans le dossier du 28 septembre 2009 en Guinée. L'ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle radié des effectifs de l'armée guinéenne et en cavale depuis son évasion samedi dernier de la maison centrale de Conakry. Les forces de défense et de sécurité sont à ses trousses. Elles le cherchent partout dans les quartiers de la capitale guinéenne. Des éléments du groupement des forces spéciales ont pris d'assaut les quartiers Mafanko et Kaliatu dans la commune de Ratoma pour procéder à des fouilles de véhicules et des réquisitions de maisons. Cette descente musclée de militaires dans ces lieux a suscité une grande peur chez les populations. Selon les informations confiées à Vision Panafricain, ce sont des agents lourdement armés qui ont investi Mafanko et Kaliatu cet après-midi sur place. Ils ont procédé à des fouilles de véhicules et à des perquisitions. Ces militaires ne se sont attaqués à aucun citoyen sur les lieux, mais ils ont estimé les tenanciers des boutiques et des magasins de fermer leurs portes pour des raisons de sécurité. Ils nous ont dit de fermer nos boutiques. Ceux qui parlaient au téléphone, ils retiraient le téléphone pour voir avec qui ils communiquaient, a confié un habitant du quartier Mafanko qui a témoigné sous anonymat au téléphone. Eh bien les amis, c'est ce que prend fin notre petit bulletin d'information. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Merci de partager la vidéo avec vos amis, connaissances et proches si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information.